Stephen Osière est la plus jeune des trois enfants de Brigitte Macron et célèbre ce mardi 30 janvier son 40e anniversaire. L'avocate est l'une des plus médiatisées de la progéniture de la première dame, mais est-elle proche de son célèbre beau-père? Zoom sur ses relations avec Emmanuel Macron. Si est-il un grand jour pour Stephen Osière, la benjamine de Brigitte Macron. La plus jeune des enfants de la première dame, elle a pour grand frère Sébastien, 49 ans, et sœur Laurence, 47 ans, célèbre son 40e anniversaire. L'avocate va certainement profiter d'une belle fête pour l'occasion, entourée de tous ses proches, elle qui est maman de deux enfants, Élise et Aurel, avec Antoine Choteau, gastro-entérologue. Parmi les invités, son beau-père Emmanuel Macron souhaite certainement y participer, mais son agenda de président de la République ne simplifie pas les choses. Quels sont d'ailleurs les rapports entre la femme de loi et l'homme politique de 46 ans? Au regard de son implication aux côtés d'Emmanuel Macron en dirigeant un comité de soutien dans le Pas-de-Calais pour sa campagne de 2017, Stephen Osière est proche de l'époux de sa mère Brigitte Macron. Dans La Voix du Nord, elle l'avait décrit avec ces termes, une personnalité hors norme, un homme intelligent avec qui le dialogue est possible en permanence. Sur le plateau de Balance ton poste, en 2019, elle l'avait décrit comme un beau-père bienveillant. Elle n'avait pas pu éviter les interrogations sur la différence de 24 ans entre sa mère et l'homme politique. Ne souhaitant pas s'étendre, elle a simplement expliqué que leur couple ne les a pas affectés et cela leur a appris à avoir une belle ouverture d'esprit. Stephen Osière, sa fille Élise, fan d'Emmanuel Macron. En plus d'être un beau-père en or, Emmanuel Macron est aussi complice avec ses nombreux petits-enfants. Élise et Aurel Osière surnomment le chef d'État Daddy, et on avait pu voir l'aîné de Stephen Osière soutenir avec joie celui qui s'est présenté avec succès pour un deuxième mandat. Stephen Osière s'est essayé à la politique aussi, suivant les traces de son beau-père Emmanuel Macron. De quoi inquiéter sa mère Brigitte, qui connaît aussi très bien le milieu et sa jungle. Lors des élections législatives de 2017, elle s'était inscrite en tant que suppléante de Thibaut Guiluy dans une liste LREM de la 4e circonscription du Pas-de-Calais, mais sa liste n'est pas passée. Romancière, la nouvelle casquette de Stephen Osière à présent, Stephen Osière a visé un autre univers, celui de la littérature. Le 13 mars, elle dévoilera son premier livre publié dans La Bleue, la collection littéraire de la Maison Stock. Son œuvre s'intitule Assise et porte le nom de la célèbre cour que connaît bien Stephen Osière. L'histoire sombre d'une jeune femme, Laura, ayant poignardé à mort un mari qui la battait et la violait. Jugée pour homicide, Laura est défendue par une jeune avocate, Diane.